Donald. Dans le cadre de la gestion de la crise, nous avons convoqué une rencontre entre les forces de défense et de sécurité, les autorités religieuses et coutumières et les autorités administratives pour échanger ensemble sur la situation, mais surtout travailler pour calmer cette situation et faire revenir définitivement la paix et la sérénité dans le département. Nous avons eu des échanges fructueux qui ont permis aux uns et aux autres de pouvoir tenir un langage d'apaisement et de se pardonner mutuellement. Nous invitons la population, en particulier les jeunes, à bien vouloir rejoindre cette dynamique de paix, de solidarité et de sérénité. Cette dynamique que le département de Bignona a toujours connue. Cette dynamique qui va nous permettre de retourner dans notre vie normale, qui va nous permettre de retourner dans nos activités économiques normales. Et nous avons espoir, compte tenu vraiment de la volonté des uns et des autres, que nous arriverons à cette fin. Nous remercions tout le monde et nous présentons encore une fois nos condoléances aux familles éplorées. Nous souhaitons également un prompt rétablissement aux manifestants ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité qui ont été blessées. Mary Donald.